Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous soyez bienvenus à la maison pour cette petite vidéo pour réagir au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui se jouera le 6 et 7 avril, on va en parler. Dans cette petite vidéo, je vous donne les matchs, je vous donnerai mes pronos, je vous donnerai quelques stats sur un match en particulier, celui du Paris Saint-Germain. De plus attendre, sans plus tarder, on va tous découvrir ensemble le tirage qui s'est déroulé à midi. Pour ces quarts de finale, je vous propose de commencer. C'est parti, les amis, pour ce petit tirage. Alors, comme je vous ai dit, le match avec Citeron le 6 et le 7 avril, les matchs pour le retour. C'est d'accompagnement le 13 et 14 avril prochain. Alors, premier match, gros match, les amis. Bayern Munich recouvrera le Paris Saint-Germain. Les deux clubs qui se sont affrontés en finale de la saison dernière. Malheureusement, une défaite pour Paris, une victoire pour Bayern. Ça sera l'heure de la revanche pour les hommes de Pochettino face aux hommes de Flick. Le Bayern recevra le match aller à l'Allianz Arena et le match retour. C'est le Paris Saint-Germain qui recevra au Parc des Princes. Deuxième match, les amis. Porto-Chelsea, les hommes de Thomas Tuchel, ancien coach de Paris Saint-Germain, recevront Porto au match retour. Les Porto éliminent la Juventus en s'en faisant en 8e de finale. Donc, Porto et Chelsea, c'est un bon match. Ça aurait peut-être une préférence pour le Paris Saint-Germain. Que je vais vous expliquer après quand je vous aurai détaillé tous les matchs pourquoi c'est un peu compliqué pour Paris tomber contre le Bayern. Il y avait une préférence pour tomber contre Chelsea, Porto. Je vais expliquer ça juste après. Je vous dis le dernier match et on en parle juste après. Alors, troisième match, Manchester City recevra Dortmund. Match allez. City s'est imposé tranquillement face à Mönchengladbach. Dortmund a réussi son coup. Il a réussi son coup aussi de passer en quart de finale, les amis. Donc ça sera Manchester City Dortmund pour ce troisième match des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Et enfin, mes amis, on va parler du dernier match très rapidement. Mes amis, Liverpool recevra le Real Madrid. On connaît déjà ce refrain. Ouais, j'ai eu le Real Liverpool en finale. Victoire finale du Real Madrid. Par contre, l'année juste après, Liverpool a battu Tottenham en finale et donc a gagné cette Ligue des Champions 2019 avec Klopp en entraîneur. Et l'année d'après, c'est deux Allemands consécutifs ont gagné la Ligue des Champions, mais pas avec le même club. Ce sera Liverpool à Real Madrid en quart de finale pour ce quatrième et dernier match. Alors pourquoi c'est compliqué pour Paris? On a le tableau jusqu'à la finale, je ne vous l'ai pas mis là, mais je vous le dis clair. Par exemple, on imagine Paris bat le Bayern. On va parler un peu de ce match. Imaginons Paris bat le Bayern en quart de finale. Ils seront opposés au vainqueur de Manchester City, Dortmund. Et on sait que Manchester Dortmund sont les gros City. Alors qui Paris était tombé en Chelsea, Porto, et reçu le vainqueur qui va pour Real Madrid. Voilà pour plus compliqué, là, le Paris Saint-Germain a du lourd jusqu'à la finale si c'est possible. Mais on va regarder les stats de Bayern et Paris Saint-Germain. Le prochain match, on pense qu'on va prendre la date le 6 ou le 7 avril prochain. Il y a eu 4 victoires pour le Bayern entre les deux coups d'équipe, 5 défaites et 0 nuls. Le Bayern est premier, le Bundesliga. Pour Paris, c'est 5
secondes la Ligue 1. Donc, pour les Parisiens, même s'ils ne sont pas favoris sur le papier, je vous accorde, ce match, les hommes de Pochettino peuvent essayer de faire renverser la balance. En plus, on aura son espérons qu'on aura Neymar par lui, qui va passer à faire ce choc, match aller, et surtout le match retour. Paris a un gardien qui est dans la base, qui est extraordinaire. On a perdu face au Barça, on a perdu avant-hier en Coupe de France face à Lille, avec un arrêt de pénalty. Après, il y a Marquinhos, Verratti, Paredes. Non, pas Paredes qui a été suspendu, qui sont une menace de suspension en 4 jaunes face au Barça. Il a une carte jaune, donc sera absent. Et Paris aura Icardi, mais en face c'est du lourd. Neuer, on se souvient, Neuer avait arrêté toutes les occasions de Paris en finale, même si on peut dire Paris a le plus d'occasions en finale, mais n'a pas réussi. Il est avec un grand Neuer. Le Bayern aura Seffelman qui était formé au Paris Saint-Germain, qui était amené au Bayern face au PSG. Il y aura Müller, Lewandowski surtout aussi, Lewandowski, buteur polonais qui est extraordinaire sur ça. Là pour l'instant, par un Bayern qui favorise au papier, mais par rien dit que le Bayern va forcément gagner. On est là, on est là. Allez. 4 semaines de ce choc peut basculer une blessure d'un côté d'un gros joueur. Ou une mauvaise performance d'une équipe, hein, du Bayern, ou la fatigue, etc. Mais pour l'instant, ça pourrait se stabiliser dans les semaines qui arrivent, surtout avant, pour savoir qui sera le favori. Mais après tout, mais on a perdu pour participer à un gros match. D'accord, je crois quand même. Mais l'exploit reste possible. On en a vu, face au Barça, ils ont réussi, ils ont souffert, mais ils ont réussi à conserver le match. Ils sont cumulés, le 5-1 même. C'était 4-1, ils sont allés 5-2. Donc, ils n'ont pas perdu la tête. Voilà. Pour ce petit chiffre, on va passer à nos pronos, les amis, pour ces 4 matchs de Ligue des Champions. Mes pronos aujourd'hui. Mes pronos pourraient évoluer en fonction des états de forme de l'équipe. On va éviter de venir sur les pronos spécialités déjà en quart de finale. Une semaine, voire quelques jours, juste avant ce choc. Enfin, Bayern, hein, on s'est rien dit pour que faire les pronos, jingle, et c'est parti. Fallait gagner pour ce petit jingle. Point. Et pour nous, pour ce match à l'équipe, je rappelle, le 6 et le 7 avril prochain. Je vois une victoire de Paris pour l'instant. Quoi ? On croit un peu. Je suis un peu français. Moi, je veux. Mais une victoire de Paris, une surprise sur Paris pour aujourd'hui. Mais ça peut évoluer parce que j'en ai. Pour Chelsea, pour tout, je vois quand même une victoire de Chelsea, les hommes de Thomas Tuchel. C'est en forme de plus son arrivée sur le banc. Donc pour moi, Chelsea pourrait gagner ce match à l'issue. Manchester City Dortmund, pour moi Manchester City fait partie avec le Bayern des favoris pour cette Ligue des Champions. Donc je vois une victoire de Manchester City. Ah, elle m'a fait des coups. Même si Real Madrid n'est pas en top favori, je le vois quand même. Gagner ce match avec Liverpool
quart de finale et pourquoi pas la qualification avec un grand plaisir. Pour l'instant, rien n'est acquis. Voilà les amis pour mes pronos et pour ce petit tirage. Là, il y aura peut-être une plus la semaine prochaine, on réagira ensemble à la liste des gens qui interviennent hier. On en parlera très rapidement et je vous donnerai les joueurs tout ça dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'est la fin de cette vidéo, merci, j'espère que vous avez plu pour ce petit récap, ce tirage au sort de la Ligue des Champions. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, on vous embrasse et profitez des coups.